Au nom de l'Université du Luxembourg, j'ai le très grand plaisir de vous accueillir tous pour ce qui va être une soirée extrêmement intéressante, je suppose. En particulier, je souhaite notre bienvenue à monsieur l'ambassadeur de la France, monsieur Guy Yelda, qui nous a fait l'honneur de venir à cet événement tout à fait inhabituel ce soir. Merci. Et évidemment, le premier à dire bien la bienvenue aujourd'hui, c'est monsieur le professeur Gérard Berry. Moi, je vais faire une toute petite introduction sur son curriculum vitae et monsieur Yelda va parler un petit peu sur ses performances et scientifiques. Donc, il est élève, ancien élève de l'école polytechnique. C'est déjà un bon début dans la vie, comme vous le savez. Maintenant, il est membre de l'Académie des sciences après un long trajet de recherche que je ne vais pas répéter ici. Il était aussi directeur scientifique d'INRIA, la très très grande organisation française de recherche en sciences basiques mais aussi informatique. Il a eu la médaille d'or du CNRS l'année dernière et félicitations particulières pour cela parce que, comme vous dites, vous considérez ça comme le plus grand honneur récent, du moins. Et il est en ce moment teneur de chaire au Collège de France. En fait, il m'a dit qu'il tient trois chaires. Je me suis posé la question, si on est, comme professeur, si on soutient trois chaires, est-ce qu'on ne se met pas entre les trois? Mais ça, c'est à vous de répondre. Voilà. Et je laisse donc à M. Yelda ma place pour un petit mot d'accueil pour M. Berry. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je suis très très heureux d'être parmi vous ce soir et très heureux que l'on puisse accueillir au nom de cette ambassade qui a parmi ses priorités la coopération, la promotion de la coopération avec l'excellence scientifique française, vous accueillir, monsieur le professeur. Je ne reviendrai pas sur votre parcours puisque vous venez en parler, mais notre pays est une grande nation scientifique. Nous avons eu 11 lauréats de la médaille Fields, ce qui est pas mal de temps, et en termes de prix Nobel aussi, nous passons très bien avec les États-Unis, le Royaume-Uni et naturellement la Terre. Le CNRS est le fer de lance de notre recherche et on m'a dit qu'il publiait à peu près 43 000 publications par an, ce qui est, sur un nombre brevet, ce qui en fait quand même un très gros opérateur scientifique mondial. Monsieur le professeur, j'aimerais vous remercier d'être parmi nous et aussi rendre un peu hommage, si vous l'acceptez, à votre carrière et votre engagement pour la promotion de la science informatique auprès du grand public et notamment des jeunes générations. J'en vois quelques-uns ce soir, mais ce matin, je crois que vous avez échangé avec les plus jeunes encore, puisqu'il s'agissait des élèves des séries scientifiques du lycée de l'Athénée. Et je remercie Monsieur Salantini, qui est son directeur, d'avoir permis cette je voulais aussi tout simplement dire que vos recherches portent principalement sur le traitement formel des langages, la programmation et la relation avec la logique mathématique. Vous nous en direz sûrement plus. Vous nous parlerez, comme je l'ai entendu dans le cours que j'ai pu écouter ce week-end que vous avez fait au Collège de France sur le bug. C'était pas celui de l'an 2000, hein, c'était celui que vous allez voir tous les jours. Et vous avez dégagé un langage qui s'appelle Esterel, et vous travaillez maintenant sur les objets connectés, dont on parle beaucoup, ordinateurs, téléphones,
pareil avec tout le même. Et vous avez aussi, monsieur le professeur, fait ce qui est merveilleux, c'est une complémentarité entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Et pendant 8 ans, de 2001 à 2009, vous avez dirigé, vous avez été le directeur scientifique de la start-up STL Technologies. Donc j'imagine que la référence est quand même celle de langage que je vais étrangler, mais qui a des applications pratiques, hein, notamment dans le domaine de la génique et de la pilotage des avions, des menaces de la course. Merci beaucoup d'être parmi nous, merci d'être un seul militant pour la promotion des sciences auprès des jeunes, jeunes gens, jeunes filles, dont vous faites l'avocat, et je vous souhaite sans plus tarder la parole, merci beaucoup. Alors, merci d'avoir invité, je suis très content d'être là, et je voudrais peut-être vous secouer un peu la carte de la tête avec cet exposé, parce que l'informatique est quelque chose que tout le monde constate, mais que finalement, bien peu de gens comprennent, et constater sans comprendre, au bout d'un moment, ça coûte assez cher, et vous n'êtes pas sans constater que nous devenons légèrement esclaves des États-Unis, de la Corée, du Japon, etc., beaucoup par absence de compréhension. J'ai beaucoup entendu dans ma carrière, l'informatique c'est une mode, ça va passer. Alors bon, je pense que les gens se rendent compte que c'est pas tout à fait vrai. Mais l'informatique, ça a un gros défaut, c'est que ça ressemble à tout le reste. Et on va voir pourquoi. Et que la plupart des gens, pour de bonnes raisons, c'est pas du tout parce qu'ils sont mal éduqués et tout, ou bêtes, non, pas du tout, c'est parce qu'ils n'ont pas appris. Donc je vais essayer de vous apprendre de quoi il s'agit. Et de vous montrer pourquoi ça va être fondamental. Alors, le 21 ou 21e siècle, c'était vraiment caractérisé par caractérisé par ce triangle-là. Matière, énergie, onde. Toutes les sciences étaient organisées autour de ça et toute l'industrie était organisée autour de ça. Si vous regardez par exemple l'industrie française, que je connais bien, on a fait Airbus, on a fait TGV, on a fait les centrales nucléaires, on a fait des choses comme ça, qui sont toutes là-dessus, les télécoms. Et tout ça, c'est matière, énergie, onde. Et donc, on a acquis une très grande force là-dedans. Mais au XXIe siècle est arrivé un intrus complètement différent du reste, qui existait avant, mais on ne s'est pas rendu compte de l'importance, et dont on ne se rend toujours pas compte de l'importance en Europe, pour être clair, qui s'appelle l'information. Et l'information, je vais essayer de définir ce que c'est assez difficile, une idée intuitive suffira, c'est connu depuis longtemps. Par exemple, Louis XIV disait. La France est un pays de taille idéale, 4 jours de long, 6 jours de long, 4 jours de large. C'était la durée de transmission des messages. Et vous savez que pour un roi ou un général, la transmission des messages est extrêmement importante. Et vous savez que Turing, par exemple, le créateur de l'informatique, a joué un rôle très important dans le décodage du code énigme. Alors, l'information, c'est très différent de la matière, des ondes et de l'énergie. Ça ne pèse rien, ça ne sent pas, ça ne brûle pas. Ça se conserve autant qu'on veut, pratiquement. Ça se recopie, ça se transmet parfaitement sans le moindre changement, ce qui n'est pas du tout le cas de la matière, etc. Et ça, c'est une logique extrêmement différente qui va conduire à des comportements et des industries totalement différentes, qui existent très peu en Europe, parce qu'en Europe, on n'a pas voulu, pour l'instant, ça change, hein, on n'a pas voulu, pour l'instant, faire le pas de considérer que l'information, c'était très différent du reste, et on pense toujours matière et énergie. Alors, regardez ça de près. Commençons par le début. Au XXe siècle, je vais vous présenter quatre métiers totalement différents. Premier métier, éditeur de livres, ou écrivain de livres, ou éditeur de livres. Donc, un livre, c'est une couverture en carton, et c'est un intérieur en papier avec de l'encre dedans, c'est vraiment de la matière, et ça contient de l'information, bien entendu. Métier totalement différent, éditeur de disques. Alors là, ça contient de la musique, ça n'a pas du tout la même forme qu'un livre, c'est rond, avec une étiquette et un trou au milieu. Ouais. Maintenant, c'est revenu à la mode, sinon il fallait montrer ça aux enfants pour qu'ils sachent que c'est. Mais c'est pas du tout la même chose. Après, vous avez la photo, objet totalement différent, c'est de la chimie, et puis des appareils optiques, donc de la physique et de la chimie. Totalement différent. Après, vous avez la mécanique. Et la mécanique, c'est des ressorts, des câbles, etc. Et tout ça est totalement différent. Au XXIe siècle, tout ça, c'est la même chose. C'est un changement massif. Donc, toutes ces choses-là sont transformées en informations brutes, en zéro et un, qui vont être processées après
Il n'y a plus de différence de métier entre ces choses. Par exemple, les algorithmes, on va voir, pour faire de la photo et pour faire de la musique, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. Ils remontent d'ailleurs au 19e siècle, ou avant, on va trouver. Et pareil pour faire voler un avion. Il n'y a pas de différence technique à l'heure actuelle entre faire voler un avion, faire de la musique, faire de la photo. Par exemple, les choses que j'ai faites, c'était pour faire voler les avions. Tous les avions du monde sont construits avec nos outils, des langages de programmation. Et bien maintenant, je vais vous le montrer, ces langages de programmation sont les mêmes, à changer un peu de look, ils sont utilisés par les compositeurs de musique pour faire de la musique. Parce que c'est le même problème. Ça, c'est curieux. Avant, ce n'était pas tout à fait vrai. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? D'abord parce qu'on n'y perd pas en qualité. Contrairement à ce que des tas de gens pensent, ils disent que le micro-signon est meilleur que l'enregistrement numérique. Et c'est rigolo parce que vous pouvez lire en ce moment les livres, tous les journaux qui parlent de platine, de micro-signon, ils vous expliquent après que ça va dans un ampli numérique. Ah, ça, c'est marrant. Bon, le numérique peut être aussi bon qu'on veut en qualité et bien meilleur que notre projet. On peut refabriquer les mêmes objets qu'avant. Mais ce qui se passe, c'est que C1 et C0 sont complètement différenciés. Les supports de C1 et C0 sont les mêmes, que ce soit des photos ou la conduite d'avion, c'est les mêmes. On peut refabriquer les mêmes objets qu'avant. Pas forcément avec la même technologie. La technologie d'impression jet d'encre, hein, qui est maintenant meilleure que la chimie, qui est pourtant très très bonne, mais la chimie reste aussi très très bonne. Elle ne progresse plus, mais elle reste excellente, surtout avec les bons tireurs. Et puis, on peut refaire comme avant, mais ce n'est pas ça l'objectif. Il y a des moments où, finalement, c'est bien. Par exemple, le livre, c'est très bien. On va faire des visuels numériques, mais c'est la même chose, ça ne change pas tant que ça. Et puis, la photo, bah, pareil, c'est très bien, sauf que maintenant, ça transmet par Internet. Mais par exemple, la mécanique, bah, le disque, ça se gère et tout, avec disque, c'est déjà beaucoup mieux, quoi, au niveau usure, au niveau place. Et puis, ça, c'est très important. On va faire des choses qu'on ne savait pas faire, des servomoteurs, qui sont bien plus précis que tout ce qu'on faisait avec de la mécanique. Et puis les pacemakers, qui sont des objets informatiques. Un pacemaker, c'est un objet informatique. Et qui sont chez vous, et donc on va télécharger des programmes à travers votre corps, je ne sais pas ce qu'il y en a ici, et qui vont poser des problèmes de sécurité informatique sérieux. Parce que par exemple, une faculté américaine a démontré qu'on pouvait, avec une télécommande, prendre le pouvoir total sur un très très grand nombre des pacemakers des pseudo aux États-Unis, les arrêter ou envoyer des pêches. Donc, les problèmes de sécurité informatique dans la médecine de l'épreuve. Donc, et puis on peut faire d'autres choses encore plus malignes, du genre enlever complètement la matière. C'est ce qui se passe maintenant avec le streaming. Vous avez des vidéos et des audios, si vous savez pas, vous, quelque part aux États-Unis, au Japon, etc. Puis, elles vous arrivent sans plus de matière. Par exemple, moi, j'avais une grande collection de disques alignés que je voulais remettre en numérique, et je me disais, c'est complètement idiot, parce qu'il y a des sites avec ces disques bien meilleure qualité que ce que j'ai, et j'ai juste à les écouter, je n'ai même pas besoin de les convertir. Grand changement. Alors, pourquoi ça s'est passé? Parce que l'informatique a quatre piliers. Les piliers, c'est les suivants. Alors, il y a nous, bien sûr. Et avec des interfaces, vous savez, des écrans, mais aussi des tas d'autres choses, des capteurs physiques et tout. On va fabriquer de l'information numérisée, qui sont des nombres. Et des nombres, on sait calculer sur des nombres. Alors, les algorithmes, c'est des objets, c'est des concepts, des méthodes de calcul automatique sur ces objets numérisés. Les langages, ça sert à parler des algorithmes, à décrire les algorithmes, à programmer des algorithmes. Vous savez, le langage mathématique est fixé depuis pas si longtemps, hein, c'est depuis les années 50, alors qu'il a été balbutié pendant des siècles et des siècles, et les langages informatiques, ils ne sont pas encore fixés, il y en a beaucoup, ils ne sont pas encore fixés, et ça c'est mon cours de cette année, mon premier cours de cette année, on va parler de ça. Les langages, c'est un des points très difficiles, c'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé. Puis les machines, les ordinateurs, qui sont des bestioles incroyables. C'est incroyable. Les premiers ordinateurs en 1972 avaient 4000 transistors. Ceux d'aujourd'hui, ceux que vous avez dans vos machines, dans votre ordinateur, ont 4 milliards de transistors. Léger changement. Et puis évidemment, les machines sont tellement compliquées qu'elles ne peuvent être conçues elles-mêmes qu'avec des algorithmes et avec des programmes. Donc l'informatique travaille sur elle-même en Alors, retenez bien ce diagramme parce qu'on va le voir à plusieurs reprises. Alors, bon, la plupart des ordinateurs ne sont pas liés aux hommes. Ils sont dans les objets. 98% à l'heure actuelle des microprocesseurs
ne sont pas du tout dans les ordinateurs et dans les téléphones, ils sont dans les objets, dans les voitures, ils sont dans les outils, ils sont dans absolument tout ce que vous voulez, dans les avions, dans les hélicoptères, dans les interrupteurs électriques, etc. Presque tous. Et ça va s'amplifier, je t'en parle. Ce qui rend l'informatique très différente des autres sciences, surtout des sciences naturelles, c'est que c'est un jeu de construction. Dans les sciences naturelles, par exemple en biologie, on étudie la nature. Et la nature, on l'a pas choisie. Si on l'avait choisie, on n'aurait pas fait la machine aussi compliquée, c'est à peu près sûr, parce que la biologie, plus on gratte, plus c'est subtil. Et non, là, on a tout construit. Par exemple, trouver un médicament, le mettre dans le commerce, c'est une aventure de 10 ans. L'invention du premier moteur de recherche, qui a été faite par un de mes amis en français et puis des collègues américains, deux collègues, deux mois et demi entre l'idée de le faire et la mise en service. Et Google, il a fait comme un bouteille 6 mois. Et ça change le monde. D'accord ? Ah, c'est pas parce que c'est facile, c'est parce que c'est puissant. Donc, nous, chez nous, ce qui nous limite, c'est nous, c'est nos têtes, hein, pour l'instant. C'est vraiment nos têtes. Les idées apparaissent tout le temps, mais il faut les fabriquer, mais surtout, il faut avoir des idées. Voilà. Et puis, dans l'informatique, il y a un problème, c'est les bugs. Et ça, j'en parlerai, ça n'existe pas ailleurs. Les bugs, ça détruit l'informatique, et les gens qui ne les connaissent pas, qui les sous-estiment, font des désastres. Par exemple, en automobile. Mais il y a ailleurs aussi. Et un bug, ça peut conduire à des désastres, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une notion qui n'est pas connue, et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment l'expliquer. Alors, algorithme, ça vient du nom de quelqu'un dont on n'enseigne pas le nom, s'il est pas sûr, c'est Al-Khwarizmi, c'est pas un nom grec, hein, ça vient du nom de Al-Khwarizmi, qui a 14 orthographes différentes, parce que c'est comme ça que ça s'écrit dans sa langue naturelle, qui était donc un persan qui vit s'il s'appelle l'Ouzbékistan, ça c'est sa tombe, et qui a fait beaucoup de choses, c'est lui en particulier qui a apporté les mathématiques indiennes, quand on dit chiffres arabes, ces chiffres indiens ont été apportés donc, par lui, qui a apporté les mathématiques indiennes et qui a écrit un traité qui s'appelle Al-Jabr, qui a donné le nom Al-Jabr sur comment résoudre les équations. C'est un des grands hommes des mathématiques dont on ne parle jamais, parce qu'il n'est pas français, il n'est pas anglais, et maintenant tout le monde commence à comprendre qu'il est très important, et algorithme, ça vient de son nom. Alors, des algorithmes, il y en a des milliers. Et les algorithmes, c'est des méthodes de calcul automatique. Retenez une seule chose, c'est une machine totalement bête, totalement exacte, totalement rapide, et donc elle va faire des choses très précises qui s'appellent des algorithmes. Alors il y en a plein. Alors il y a des algorithmes génériques qui se fichent complètement ce qu'on leur donne, de savoir si c'est une photo, de la musique, Internet. Transmettre la paire sur Internet, Internet se fout totalement de savoir si c'est de la musique, de la photo ou des commandes de chirurgien. Stocker, comprimer, c'est les mêmes disques pour la musique et la photo. Et puis, il y a des tas d'algorithmes spécifiques que vous voyez. La correction orthographique qui fait des progrès, c'est dur. La recherche dans les textes, qui est Google, il vous répond. Vous tapez un truc, il vous répond en 1/10 de seconde. Ah oui, il y a 2 500 000 documents. Voilà comment je les classe. C'est pas anodin, comme truc. D'ailleurs, si vous essayez de comprendre comment ça marche, sans prendre trop d'informatique, vous allez pouvoir y mettre quelques siècles. L'analyse de la parole, qui commence à faire des progrès, c'est très difficile. La traduction automatique qui fait des tas de progrès, en particulier avec les travaux de quelqu'un qui va être professeur au Collège de France cette année, qui s'appelle Yann Lequin, qui travaille sur ce qu'on appelle l'apprentissage profond, et qui est directeur du laboratoire de l'intelligence artificielle de Facebook, où ces cours seront en ligne sur le collège. Les forces, donc, faire voler un avion, ça c'était ma spécialité, transmettre, et puis des tas de trucs, des très grandes données en biologie, la géométrie, on va voir ça. Alors, ce qui est vraiment important, c'est ces phrases-là. L'information, l'informatique, c'est la même partout. Que vous fassiez de la biologie, des avions ou de la musique, c'est la même Internet. Avant, c'est la première fois que ça se produisait. Hein, non, c'était les mêmes maths partout, même il n'y avait pas de maths en biologie, c'est bien plus simple. En médecine, il y en a très peu. Il n'y a qu'une seule notion d'information, il y a une seule notion d'algorithme. Même si elle varie beaucoup, et comme il y a en mathématiques, il y a beaucoup. Le levier de l'information est hyper efficace. C'est pour ça que j'ai fait de l'informatique. Quand j'étais petit, j'entends, c'était la guerre froide. Alors les Russes, ils avaient des bombes de 10 mégatonnes, puis après les Américains 50 mégatonnes, et après les Russes de 100 mégatonnes et tout. Et moi je me disais, c'est rigolo, ils font exactement la même information pour faire exploser une bombe d'un kilotonne et une bombe de 100 mégatonnes. Le levier de l'informatique, c'est pas comme les leviers physiques. Plus
c'est lourd, il nous faut un gros levier. En informatique, non. C'est le même, quel que soit le poids. Ah, ça m'avait tout de suite intéressé, moi. Et donc, le problème, quoi, qu'ont beaucoup de gens, peut-être dans cette salle, c'est qu'ils ne comprennent pas tellement ce qui se passe parce que raisonner sur l'information, ce n'est pas du tout la même chose que raisonner sur la matière et l'énergie. Et si on a été formé, comme c'est le cas par exemple dans l'automobile, à raisonner sur la mécanique, la matière et l'énergie, et que les automobiles deviennent massivement informatisés, eh bien c'est pas terrible le résultat. Heureusement, les avions sont meilleurs que les automobiles. Je vous montrerai pourquoi. Donc, dans le monde actuel, comprendre ce qui se passe là, c'est essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier ce qui se passe ailleurs. Je vais vous montrer qu'en biologie, l'informatique devient tout à fait essentielle. Elle ne va pas remplacer les biologistes, hein, loin de là. Mais c'est une nouvelle façon de le voir. Alors, regardons la puissance de l'information. La première chose qui s'est faite, historiquement, c'est la transformation de schémas classiques, le commerce électronique. Amazon, on a dit, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire Amazon et qui ont raté. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu faire comme avant sans comprendre que l'informatique, c'est différent. Et Amazon est né dans l'informatique. Et puis, pas que ça, la logistique et tout, et c'est très difficile à faire. Les réservations en ligne, vous savez tout ça, vous avez vu à quel point ça change tout, à quel point, par exemple, à San Francisco, il y a un désastre, c'est que les appartements à louer ne se trouvent plus à cause d'Airbnb. Ah oui, parce qu'Airbnb, ça fait rien, ça fait rien. Ça fait juste ce truc important, c'est de donner l'information de monsieur A à monsieur B. Et ça, c'était important, dans les journaux, les revues, etc. Puis il y a des nouveaux, il y a des nouvelles choses totalement impensables avant. Les moteurs de recherche. Personne n'avait pensé que ça pourrait exister. Et je peux dire que moi qui connais très bien l'auteur du premier, j'étais chez lui quand il l'a construit, et je lui disais, mais c'est quoi ce que vous faites ? C'est pas ma grande fierté, ça, historiquement. J'avais pas compris. Il me dit, mais tu te rends pas compte ? J'ai dit, non. Bon. La dématérialisation de la musique et de la vidéo, par exemple, ce matin, j'ai mis un CD au lycée, j'ai trouvé ça super, on m'a donné deux DVD. Je ne sais pas trop quoi faire, des DVD. Il n'y a plus de lecteur, mais c'est pas grave, on est l'analyse de grandes données, donc ça en biologie c'est très important, mais ailleurs aussi, par exemple dans une ville, pour comprendre comment les gens se déplacent dans une ville, c'est maintenant des choses qu'un humain ne peut pas faire, qu'on peut très bien faire avec un ordinateur. Les sites de partage et d'échange, les nouveaux transports, vous voyez l'histoire des mers en ce moment, et de Blablacar, elles sont en train de changer totalement les comportements. C'est pas anodin, mais c'est la conséquence directe de tout ce que je racontais. Bien, et puis on va voir l'intérêt des objets, et puis je vais vous parler de l'informatisation des sciences. Parce que ça, c'est la chose qu'on ne raconte pas dans les journaux. Hein, le reste, vous n'entendez pas. Alors, pourquoi révolution ? Pourquoi mettre le mot révolution ? Révolution, ça a plusieurs sens, mais j'ai pris par où changement plus que l'ordre économique, moral, culturel qui se produit dans une société. C'est le cas. Donc révolution, ça veut dire faire tourner, ça veut dire mettre à l'envers. Hein. Et donc, on va voir que c'est ça qui se passe. Et on va parler d'inversion mentale. Je vais vous montrer, en particulier que les jeunes, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, et qui est un énorme problème de l'enseignement, les jeunes ne penseront plus comme les vieux. Et c'est définitif. Ah non, parce qu'après il y aura toutes des jeunes. Parce que simplement, nous, l'informatique n'existait pas. Beaucoup de gens dans cette salle, l'informatique n'existait pas quand ils étaient jeunes, alors que maintenant l'informatique existe quand ils sont jeunes. Hein? Alors je vais vous montrer quelques-unes. La première, je l'adore, c'est un gamin de 10 ans, le fils d'un copain, qui rentre chez son père et qui lui dit « Papa, le voisin, il a un ordinateur extraordinaire qui tape sur le clavier et il l'appelle tout de suite. » Qu'est-ce qu'il venait de voir ? C'est la première machine à écrire. D'accord ? Vous voyez, c'est ça que j'appelle mettre la tête à l'envers. Lui, il trouvait ça merveilleux comme objet, totalement exotique. Voilà. Alors, je vais vous montrer, pour vous montrer qu'il y a une très grande différence. Alors, c'est pas un éloge des jeunes ou une critique des vieux, c'est juste comme ça. Pour vous montrer qu'il y a une énorme différence, hein, je vais vous passer un petit film. Donc voilà, ça c'est ma petite fille, Emily, et donc Emily c'est une petite enfant normale, qui est en train de quand je montre ça, il y a des gens qui pensent qu'elle est en train de travailler sur ordinateur. Donc elle est parfaitement pro, hein, et donc là, c'est visiblement la main de faire quelque chose. Alors après, je lui donne son âge. Alors, Emily, elle a 2 ans et 1 semaine. Elle ne sait pas parler. Elle ne parle pas. Elle a décidé de parler après. Elle a 2 ans et 1 semaine. Donc, elle n'est pas du tout en train de travailler. Elle est en train de faire son boulot d'enfant. Pour elle, il n'y a pas de différence entre la mer, la montagne, le vélo, le chat et l'ordinateur. Ce sont des objets de la nature.
évidemment pas vrai pour tout le monde, ça. Mais pour les jeunes, c'est comme ça, et c'est fini, ce sera comme ça pour toujours. Bien, donc, je pense que j'aime bien montrer Emily, parce que, en dehors du fait que j'ai une petite fille qui est extraordinaire, mais comme tous les enfants, je trouve cet exemple très, très frappant. Et il m'a servi à convaincre énormément de gens qu'il fallait faire quelque chose pour les enfants, y compris les gens de la République française. Alors, voilà, donc je reprends là où j'étais, et voilà. Alors maintenant, on va commencer à resserrer le monde. Ça y est, qu'est-ce qui se passe? Il fait quoi, lui? Bon, alors. Alors voilà, l'informatique, ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on peut. Alors voilà, donc on va continuer. Regardez la téléphonie. La téléphonie avant, il fallait tirer un fil de cuivre entre M. A et M. B. Et si vous aviez M. A' ou M. B', il fallait un autre fil de cuivre. Vous faites Paris-Luxembourg, Paris-Delif ou un fil de cuivre continu. C'est extraordinaire qu'on y soit arrivé. Mais ça ne passe pas à l'échec. Donc, l'analogique, c'était comme ça. La téléphonie numérique, dans les années 70, on a fait un truc un peu plus malin. On a mis une numérisation partielle, on a coupé la bande rondelle, on a supprimé les silences et tout, et on a fait passer ça dans le même fil. Ça, c'est l'informatique. On a besoin d'un seul fil pour nos communications. Bien. Ça, c'était rien, ça ne changeait rien du utilisateur. Décrocher, c'était peut-être un peu de meilleure qualité. Et puis, c'est passé un phénomène fondamental qui a été très négligé en Europe au début. C'est le sans-fil. Et bien, le sans-fil, c'est totalement différent. Parce que ça abolit l'espace. Alors, on va le voir de façon très simple. Et puis, maintenant, c'est des objets qui sont connectés. C'est ça qu'on appelle les objets connectés. Alors, voilà. Quand j'appelais, je vais te prendre une copine à l'époque, elle n'était jamais chez elle. Donc, ce que je savais, c'est qu'elle n'était pas chez elle. Maintenant, qu'est-ce que je lui dis? T'es où? Vous êtes tous comme ça, d'accord? Et on ne se rend pas compte à quel point c'est inversé. C'est-à-dire à quel point c'est fantastique, la différence. Et donc, oui, c'est majeur. Absolument majeur. Donc, ça change complètement les comportements à tel point qu'on ne sait plus tellement comment on faisait avant. Et c'est utile de se demander. J'adore celle-là, un enfant de 4 ans qui va chez son grand-père, un copain à moi, et qui voit un téléphone avec un fil qui va dans le mur et lui a dit « T'as mis un anti-meuble ?» Donc vous voyez, la perception a quand même assez changé. C'est l'histoire, ouais, tout ça, on ne peut pas les demander, il y a 15 enfants qui vont dire des trucs comme ça. Alors, reprenons un autre exemple. Moi, j'ai une photographe, et donc j'ai un appareil photo. Alors cet appareil photo, il ressemble complètement à un appareil photo du 20e siècle dehors. Il n'y a pas de temps. Dedans, c'est de la physique, mais surtout des algorithmes. Il y a une quantité d'algorithmes phénoménaux et très difficiles à l'intérieur de l'appareil photo. Et ça a permis qu'un appareil photo dépasse largement la qualité de l'argentique, la qualité photographique, pas forcément la qualité artistique, c'est un autre sujet. Elle la dépasse très largement. Et les progrès que vous avez dans les appareils photo à l'heure actuelle, c'est essentiellement un peu des progrès physiques et essentiellement des progrès d'algorithmes. Ça, je dois vous. Je fais des exposés rien que là-dessus parce que c'est un exemple qui est fascinant. Et par exemple, l'algorithme de suppression du bruit, pas d'appareil photo, mais d'un logiciel, a eu le grand prix de l'Académie des sciences, le grand prix de l'Académie des sciences, il y a 2 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez ça, voilà ici une cathédrale prise avec un grand angle, et tout, on a un projecteur est un peu clair, mais ça, on ne sait jamais avec le projecteur. Et vous voyez, le problème, c'est que l'optique, c'est des lois d'optique font que les droites deviennent courbes. C'est normal, c'est comme ça. Alors avant, on ne pouvait rien faire pour ça, c'était bien, j'étais habitué et tout. Et maintenant, on se dit, ben oui, mais on connaît la façon, les maths nous disent comment c'est courbé, ça. Alors à partir du moment où les maths nous disent comment c'est courbé, on peut découvrir. Et donc ce que font tous les appareils photo à l'heure actuelle, et même tous les téléphones, c'est ça, c'est l'image que vous pourriez avoir prise, et celle que vous voyez, c'est ça. D'accord? Alors, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont faites. Par exemple, les lumières, vous voyez, il y a la différence noir-blanc, bon, le projecteur est trop lumineux. Mais les lumières se sont localisées, bon, c'est très difficile pour un projecteur à montrer. Mais donc tous les appareils photo sont des algorithmes pour déterminer la physique, pour améliorer la physique. Alors c'est pareil pour les caméras, etc. Bon, alors ça c'est un exposé, et le son c'est pareil. Un des morceaux préférés c'est Innuendo et Fashion Green Blue de Linton, ouais, Newport 1956, moi ouais, je l'avais en 10, et il vient de ressortir, on a l'impression qu'il a été enregistré il y a un an. Une qualité fabuleuse. Ah, mais il y a beaucoup de travail mathématique et informatique. La cartographie numérique. Donc voici une photo aérienne d'un coin de montagne que je connais très bien, je suis en train de m'y en venir, j'ai une maison là. Et
été dans les glaciers, enfin dans ce qui nous reste. Hein. Et cette photo, elle a été prise par un avion virtuel, évidemment. Un avion n'a jamais pris cette photo. Ça, c'est une photo qui est calculée à partir de données de, qui viennent de pas d'origine, dans laquelle il y a des données cartographiques, mais il y a aussi des données de terrain, des données de végétation. Et donc, cette photo, c'est une photo complètement virtuelle, réelle. Elle n'est pas moins réelle qu'une vraie photo, mais elle a été construite de façon totalement virtuelle. Alors, voilà des inversions mentales liées à ça. Pour la photo, au XXe siècle, vous apportez la pellicule au labo, et le lendemain, avec un peu de chance, vous la mettez dans une enveloppe pour l'envoyer au copain. Maintenant, c'est, vous prenez la photo, je crois qu'elle est partie. Et quelques secondes après, hop, elle est arrêtée. Alors, les échanges de photos, Facebook reçoit à peu près 100 000 photos par jour, je crois. Donc, c'est devenu assez sérieux. Alors, pour savoir si les photos sont intéressantes ou pas, c'est pas le même débat. S'orienter sur une carte, au XXe siècle, il fallait acheter la carte. On continue de faire ça un peu. Il faut acheter la carte à bonne échelle. Hein. On va trouver. Alors, dimanche, pour trouver la carte, c'est plus dur. Hein. On cherche où on est, on cherche la destination. Donc, au XXIe siècle, c'est différent. On appelle la carte, qui est dans le téléphone, du monde. Il y a toutes les cartes, à toutes les échelles. La carte nous dit où on est. Et on tape le nom de la destination, on nous dit comment y aller. Ah, c'est un changement massif. Et en France, dans les programmes, on enseigne ça. Et ça, c'est quelque chose, c'est bien d'enseigner ça en cours d'histoire. Pas en cours de mathématiques, ça c'est un cours de maths. Alors, ben, d'un autre côté, il faut savoir faire les deux. Hein. Par exemple, les marins qui montent un GPS et qui savent pas faire ça, en général, ils ont des ennuis. Mais c'est pas grave. Alors, la musique. Alors moi je travaille beaucoup sur la musique, parce qu'on travaille avec IRCAM, qui est un laboratoire fantastique à Paris, de musique. Alors voici une découverte algorithmique extrêmement importante pour la musique, qui a fait dire à Boulez, hein, qui est maintenant pas en train de sortir, qui a fait dire à Boulez que c'était ce qu'il attendait depuis 40 ans. Et voilà. Alors avant il y avait de la musique humaine avec une partition. Au XXe siècle est arrivée l'idée de mettre de la musique informatique ou enregistrée. C'est arrivé avec Boulez, Schaffhausen, etc., musique contemporaine. Et là, à ce moment-là, cette musique-là a été jouée avec l'humour d'un magnétophone et le sens musical d'un magnétophone ou d'un ordinateur, et les humains devaient suivre. Et ce qui se passe maintenant, c'est grâce à des algorithmes extrêmement malins, on peut faire l'inverse. C'est-à-dire, on peut écouter les hommes qui jouent, détecter absolument toutes les notes, tous les événements de la partition, comprendre à quel tempo ils jouent, la façon dont ils jouent, et asservir la musique électronique aux hommes au lieu que ce soit l'inverse. Ce système a été fait par un jeune thésard, Archer Comte. L'année d'après la thèse, il était utilisé en concert partout dans le monde et maintenant on ne sait même plus où il est utilisé. Et par exemple, ce que vous allez pouvoir faire, il y a des démos, c'est vous avez un concerto de Mozart enregistré par l'Orchestre de Paris, la partie orchestre, vous jouez du piano et vous n'avez pas d'orchestre chez vous. Alors vous prenez la partie orchestre, qui a été enregistré en qualité, vous jouez le concerto de Mozart à votre vitesse, à votre façon, à votre rythme, et l'orchestre vous suit. Ah oui, mais ça existe en vrai. Hein. Vous pouvez aller voir ça sur Antesco, vous allez voir ça sur Internet, des mots trop fantastiques, et c'est utilisé par tous les compositeurs à vrai. Bon. Et puis ça se dispose d'une question, c'est quoi une partition? Parce qu'une partition pour un ordinateur, ça c'est bien pour les hommes, mais pour les ordinateurs, c'est totalement idiot. Une partition, ça doit être un algorithme. En quel langage ça s'écrit? Eh bien, les essais qu'on fait en ce moment, c'est dans le même, à peu près dans le même langage qu'on a fait pour piloter des avions. Parce que c'est le même problème. Ça, ah oui, l'informatique, ça rassemble des problèmes, ça peut être évident. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà la version la plus importante, peut-être. Avant, on disait, les gens qui n'avaient pas l'informatique, ils avaient peut-être raison, j'ai beaucoup entendu cette phrase, d'un ordinateur, on ne sort jamais de ce qu'on y a mis. C'est pas vraiment une tarte à la crème, mais je n'ai pas trouvé de photo de tarte à la crème. Les gens n'avaient pas réalisé quelque chose de très important. Il y a marqué deux fois « on ».« On, on ». Et en fait, ce qu'il disait, c'est « moi ».« Moi ». Au mot de Rocratus, du XXe siècle, « je ne change jamais tout ce que j'y ai mis ». Vous prenez la même phrase au XXIe siècle, les deux « on » sont devenus différents. D'Internet, « je sors ce que le reste du monde y a mis ». Le changement est totalement massif. Il est massif sur la notion de mémoire. Michel Serres a dit, oui, mais bien sûr, donc l'écriture, avec l'écriture, on n'avait plus besoin de savoir par cœur. Avec l'ordinateur, avec Internet, la notion de mémoire change. Par exemple, Wikipédia, qui a été beaucoup vilipendé au début, est une ressource fondamentale pour un scientifique, pour un historien, même s'il y a des choses, mais
l'encyclopédia britannique a arrêté parce qu'elle pense qu'elle est moins bonne. C'est quand même pas bien. Donc voilà, ça c'est massif. Hein. Alors, on a une très belle version mentale, c'est ma préférée. Donc, une enfant de 10 ans, c'est 2 ans, qui dit à sa mère, maman, quand tu étais petite, tu n'avais pas d'ordinateur. Alors, comment est-ce que je faisais pour aller sur Internet? Elle ne peut pas concevoir que Internet n'existe pas. Pour elle, c'est comme la mer et la montagne. Donc, c'est pas rien tout ça. C'est pas rien. Bon. Et puis, comment on faisait pour travailler sans moteur pour ça, pour ce genre de moteur de recherche, c'est assez difficile de se rappeler. Bon, on y arrivait. Alors, la nouvelle chose qui est en train de se produire, c'est l'alerte du front, l'infestation partout, et attention aux bugs, parce que les bugs dans les voitures, les pacemakers et tout, c'est vraiment saillant, on verra ça là. Donc, voilà la voiture que j'ai achetée en sortant de l'école, la voiture du 20e siècle typique, d'accord. Celle que vous achetez maintenant, c'est exactement la même, c'est-à-dire, elle a toujours deux phares, quatre roues, un volant, des sièges, c'est juste l'intérieur qui a changé. Tout ça, c'est de l'informatique. Et la valeur ajoutée d'une voiture à l'heure actuelle, c'est de l'informatique. Malheureusement, c'est encore bien fait de loin. Il n'y a pas du tout le même cerveau que dans les avions, et c'est un vrai problème, on cherche à s'occuper de beaucoup, mais parce que c'est tiré par les coûts et que ça coûte cher l'informatique bien faite. L'informatique bien faite, c'est beaucoup plus cher que l'informatique mal faite. J'adore l'informatique des téléphones, qui est super mal faite. Par exemple, mon téléphone me dit mail s'est arrêté, 4 fois par jour. Et j'adore le site du Monde parce qu'il me dit le Monde s'est arrêté. Voilà, et donc tout ça c'est rien parce que ce qui va venir de façon évidente c'est que les voitures vont se parler. C'est totalement idiot pour entrer une voiture qui vient de la boîte avec plein de conducteurs, les voitures peuvent se parler tout ça. Hein, mais il faut que ce soit bien fait, si c'est mal fait ce sera désastreux. L'ingénieur et l'algorithme. Alors, la façon classique de faire de l'ingénierie, c'était on fabrique, on fait des protos, ça casse, on recommence, on fait en vrai, des fois ça casse. Il n'y a pas moins de la moitié des ponts suspendus jamais construits dans l'histoire qui sont tombés. Hein. Donc, un dans les années 20, je crois, avec tous les officiels de fusion de l'immigration. Avec la science, on a amélioré les choses, en particulier la découverte de la résistance des matériaux, on fabrique, ça casse, on explique pourquoi. Avec la science. Et puis après, on s'en sert à l'explication pour refaire mieux. Avec la science numérique, c'est tout à fait différent. On va dire, on fabrique et on simule virtuellement, on casse virtuellement, beaucoup. On explique pourquoi, on recommence en mieux, et à la fin, on finit par faire en vrai, et ça ne casse pas. L'exemple le plus frappant à la clé, c'est le Falcon 7X, le dernier avion de l'assaut, l'avion civil, un jet privé, qui a été construit entièrement en maquette numérique. Il n'y a pas eu de soufflerie, il n'y a pas eu de premier essai en vol, c'était l'avion Fiat. Et c'est à peu près pour le 380 aussi, il n'y a pas eu non plus quasiment de maquette, sauf les maquettes légalement obligatoires. Et donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant absolument standard dans certains domaines, mais pas dans tous. C'est aussi standard en voiture. Dans les voitures, par exemple, les crash tests sont maintenant complètement informatisés, c'est ça, c'est trop cher. Même on ne sait pas tout faire comme ça, mais on sait faire énormément. Et par exemple, le pilote qui a atterri sur Hudson, si vous vous rappelez, au bonheur du fait que c'était un pilote extraordinaire, il a dit deux choses qu'on n'a jamais dit dans les journaux. Il a dit, il y en a tout qui m'aidait, c'est que je n'avais pas à piloter l'avion. L'avion, il se pilote tout seul, donc je pouvais faire autre chose. Et l'autre, c'est que j'avais déjà fait ça plusieurs fois de me poser sur une rivière. En simulation, avant, on n'entraînait pas les pilotes à se poser sur des rivières avec des bras à l'avion. Alors, en science, donc, je vais finir par les sciences. Mais je vais avancer par les sciences, vous me donnez 10 minutes de plus ou pas? Ouais, bon. Galilée a dit que le monde littéraire est écrit en langage mathématique. Einstein a dit ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Tous les deux avaient raison, sauf que ce n'était pas tout à fait exact. Parce que ce qui était vrai, c'était pour les sciences physiques. La physique est écrite en langage mathématique, mais la biologie, c'est pas vrai. Hein. Bon. Et moi, ce que je pense, enfin, ce que pense notre communauté, et ce qu'on va essayer de trouver, mais c'est pas fait encore, c'est en train, c'est que ça sera vrai quand on va coupler informatique et mathématiques dans toutes les sciences, avec le raisonnement des sciences. C'est-à-dire que les mathématiques, tout seul, c'est un morceau. Et que si on couple avec l'algorithmique, qui est d'une nature assez différente, d'ailleurs antérieure aux mathématiques, c'est un autre morceau, et que les deux, ça va être très bien. Alors regardons bien la simulation numérique. La simulation numérique, au début, on disait tenter de reproduire les phénomènes pour mieux les comprendre, les Charles Feynman des années 50, de la mécanique quantique, apparemment connu les ordinateurs, et bon, ça c'est des mathématiques, on a commencé à faire des calculs, on a commencé à utiliser l'ordinateur comme outil de calcul pour faire les maths beaucoup mieux que nous-mêmes. Parce que nous, on ne sait pas faire les maths.
simuler le jet de la fusée Ariane, parce que c'est dans les turbulences que se passent les défauts du jet essentiellement, et que je puis mesurer les turbulences en vol avec un thermomètre, c'est pas vraiment très facile, donc on fait une simulation. C'est des simulations qui sont grosses et tout, mais c'est moins cher de le faire en vol. Les astronomes, ils vont simuler des supernovas, des explosions d'étoiles, parce qu'ils ont besoin des budgets pour faire ça au labo. Et d'ailleurs, on en est très contents. Et ça, c'est important, parce que c'est là que nous sommes formés, nous, les étudiants du monde, tout le monde, facile. Alors, c'est quoi la simulation? Eh bien, c'est remplacer la matière énergie par l'information. Puisqu'il n'y a que de l'information dans un ordinateur. C'est remplacer les lois de la nature par leur équivalent algorithmique. Donc, avoir des algorithmes qui limitent les lois de la nature. Pas forcément des équations. C'est remplacer le temps physique par le temps de calcul, qui n'a rien à voir. Par exemple, on peut simuler rapidement des phénomènes lents. François Pascon, professeur au Collège de France, travaille sur les collisions de systèmes de galaxies. Alors, si vous les simulez à vitesse réelle, c'est pas terrible, et donc il les simule à toute allure, puis après il regarde. Bon, on n'est pas là dans l'univers, mais il y a toujours des. Si on regarde les différents endroits, il y a toujours tous les états intermédiaires qu'on voit. Donc là, on simule rapide des phénomènes lents. Simulation lente de phénomènes rapides. Donc, on répète sur le repliage des protéines, qui est quelque chose de complètement critique en biologie. C'est les protéines sont fonctionnelles quand elles sont liées au micron. Et le pliage des protéines est quelque chose d'abominablement compliqué, éventuellement, et il y a énormément de travaux sur la simulation de repliage des protéines. Alors, ça prend quelques microsecondes, quelques millisecondes, et donc, on ne va pas regarder ça à vitesse réelle. Et puis, simulation en temps réel quand on entraîne un pilote d'avion. Voilà. Alors, il faut bien sûr que la matière ait énergie pour faire les simulations, que les ordinateurs, que le courant électrique. Mais elles sont complètement indépendantes de l'objet qu'on simule. Qu'on simule de la biologie, une fusée ou des lunes, comme je vais vous montrer, c'est les mêmes. Alors, les astronomes ont compris ça depuis longtemps. Et par exemple, des satellites récents, tout ça, on ne dit jamais, quand on n'est jamais un journaliste dit ça, ce sont des gros appareils algorithmiques. Il y a énormément d'informatique dans ces appareils et elle est critique pour eux. On n'a pas dans les journaux que la mécanique, parce que c'est pas encore rentré dans la tête des gens. On est encore au XXe siècle dans notre tête, mais alors que la réalité est une matinée. L'imagerie médicale, c'est assez typique. Vous avez une machine IRM, tout le monde pense que c'est de la physique, ce qui est vrai. Dans une IRM, vous avez des électroaimants, des ions liquides, des tas de choses intéressantes, mais c'est surtout, à l'heure actuelle, des algorithmes. Et le prix, le coût des programmes et des algorithmes dans une machine IRM est maintenant égal au coût de la physique. C'est assez cher, les deux. Bon, alors on va vous faire avec ça des tas d'imagerie. Et puis vous avez d'autres modes d'imagerie, comme les électroencéphalogrammes, qui va regarder les courants électriques dans votre cerveau. Vous avez plein de modes d'imagerie. Et au XXe siècle, un des radiologues qui travaillait sur l'imagerie, il faisait un scanner, il faisait une IRM, il faisait un EEG pour le cerveau, ils avaient trois trucs complètement différents. Au 21e, c'est tout à fait différent. Et il y a un cours qui a été donné au Collège de France il y a 2 ans par Nicolas Yach, qui est fantastique. C'est que vous avez des tas de modes d'imagerie. Vous avez l'anatomie, vous avez des vaisseaux, vous avez l'imagerie avec les règles de diffusion qui va regarder par exemple les trajets nerveux, vous avez la spectro, et algorithmiquement, on fabrique une seule image. Au lieu d'avoir des regards différents sur plein d'images, on joint tout ça, c'est dur, hein. C'est vraiment dur, mais ça se fait, c'est des belles maths, c'est de la belle informatique. On va fabriquer pour le médecin une seule image. Et là, vous voyez toutes ces images-là d'une tête qui finissent en une image 3D ou 4D d'un cerveau avec une tumeur dedans, là. Voilà. Donc ça, c'est devenu routine en médecine, à l'heure actuelle. Ça devient routine. Et c'est une fantastique aide, bon, les chirurgiens savent, les radiologues le savent. Ça permet de faire des traces. Vous savez, l'anatomie, alors l'anatomie, c'est des planches. Maintenant, c'est plus des planches. C'est du 3D ou du 4D. Ça, c'est des atlas statistiques des sillons du cerveau à travers la population. Donc, on fabrique des atlas statistiques et quand vous arrivez pour vous faire voir le cerveau, on va vous recalibrer par rapport à cet atlas statistique totalement automatiquement. C'est une opération qui est infernale à faire à l'avance. Et puis, évidemment, si vous revenez le lendemain, votre cerveau, vu que c'est de la source blanche, il bouge. Hein. Préparer des opérations. Alors, les chirurgiens et les informaticiens, ils partagent quelque chose de très important, c'est couper-coller. La chirurgie, fondamentalement, c'est couper-coller, et l'informatique, ça sert beaucoup. Mais ici, un enfant qui a un problème, je ne sais plus comment ça s'appelle, et l'idée, c'est de couper-coller pour faire ça. Mais où couper? Où couper? Ben, maintenant, de plus en plus, ça se fait, alors c'est difficile.
avec des simulations du cœur où on va essentiellement pré-simuler l'opération pour savoir où couper en essayant différents mouvements en simulation. Alors attention, la simulation du corps c'est très très compliqué parce que le cœur, enfin ça va, c'est un muscle, hein, il y a de l'électricité, il y a des liquides, l'interaction solide-liquide c'est dur, c'est pas si mal et bon, ça progresse de jour en jour. Et voilà, moi je me suis fait faire un clin d'œil il y a 15 jours. Avant, il me mettait un truc, il regardait, et direction sur l'œil, c'est très agréable. Et maintenant, il m'a mis devant une machine, il a fait ch'tong, et on voit les couches de la rétine, on voit absolument tout. Bon, la machine vaut 150 000 euros, mais ça c'est la vie. La réalité augmentée en chirurgie, donc ça c'est des choses que j'ai montrées aux enfants ce matin, aux jeunes ce matin. La réalité augmentée en chirurgie, vous voyez, les opérations du foie sont des opérations tout à fait difficiles et dans lesquelles le milieu qu'on regarde n'est pas terrible parce que bah, c'est des organes, c'est du sang, etc. Et donc, maintenant, de plus en plus, on superpose des images virtuelles à l'intérieur du corps. Alors, il faut être précis, hein. Puis c'est dur parce qu'il bouge le corps, il respire. Si on a coupé la respiration, ça serait beaucoup mieux, mais ça serait peut-être plus utile d'opérer. Et donc, maintenant, c'est des choses qui se font en standard. Et voilà la simple opération de Strasbourg, hein, à l'heure actuelle. Et bien, vous avez l'opéré qui est là, et puis vous avez d'immenses écrans partout et des algorithmes dans tous les sens. Et ça ressemble assez à un cockpit d'avion. Alors, ça tombe bien, parce que nous, on fait des cockpits d'avion, c'est fait avec des outils qu'on a développés. Mais par contre, en médical, pas du tout. Et je ne suis pas du tout sûr de la qualité des. Je suis loin d'être sûr de la qualité des logiciels qui sont réunis. Alors, il y a des questions partout, évidemment. Data, analyser les corps de patients et tout ça, et bien implanter, donc le diabète, ça y est, vous avez vu, il y a une alliance entre vous et Sanofi sur le diabète. Intéressant, hein. Mais bon, l'assistance aux personnes âgées, beaucoup de choses. Hein. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est faire que le dossier d'un médecin et d'un autre, ça, voilà, c'est vraiment trop dur ça. Bon, il y a deux dangers majeurs. Hein. C'est le bug, la sécurité informatique. Alors, je vais vous parler des bugs après. La bioinformatique. Ah, vous rappelez mon petit dessin ? Eh bien, nous, on est pareil. Nous, on est pareil. On a de l'information dans l'ADN, entre autres. Alors, il y a l'épigénétique aussi. De toute façon, mon ADN est plié, on n'est pas prêt tout à fait comprendre, mais c'est aussi une information importante. On a des langages, des codes génétiques, par exemple, il y en a d'autres. On a des machines, c'est nos petites cellules, qui sont pleines d'algorithmes. Et on commence à analyser la cellule aussi en termes d'algorithmes. Ah, les biologistes n'ont pas l'habitude, mais maintenant les échanges augmentent, pas tellement en France d'ailleurs, mais aux États-Unis, en Angleterre, c'est constant. Et puis l'interface, c'est le soleil et les sandwichs hein, qui font marcher tout ça. Et donc il y a maintenant une approche complètement biologique, informatique et biologique s'entremêlent beaucoup plus qu'avant. Avec ça, on va pouvoir faire des tas de choses, mais on fabrique des. On se duplique par exemple, ce qui est très intéressant. Les trucs d'intelligence artificielle disent oui, mais qu'est-ce qui se passerait si les ordinateurs se dupliquaient, rassurez-vous. On est beaucoup moins malin que la biologie. Voilà par exemple quelque chose que j'ai montré ce matin aux étudiants, qui avait l'air légèrement étonné, mais c'est enseigné maintenant ça. Donc, ça, c'est un film qui explique la réplication de l'ADN. Allez, démarre, voilà. Alors, vous voyez, c'est un film en basse résolution, mais ça va s'améliorer. Et ça, je pense que pour expliquer la réplication de l'ADN, c'est beaucoup mieux que des dessins auxquels on comprend jamais rien pour les gamins. Hein, parce que les gamins comprennent les films très naturellement, et les adultes aussi d'ailleurs. Bon. Alors évidemment, on peut faire ça à plus grande échelle. Évidemment, vous voyez que c'est à basse résolution. Et on étudie aussi les protéines à haute résolution. Ça, c'est vraiment dur. Parce que les protéines, c'est gros et c'est plié, et ça a des formes de géométrie bizarres, ça pose des problèmes de géométrie. Ah, la géométrie est redevenue une grande science. Géométrie algorithmique. On sait calculer avec l'ADN. On fabrique des ordinateurs qui marchent à l'ADN. Alors ça va pas vite, hein, mais c'est très rigolo. Et c'est très intéressant parce qu'on essaie avec ça de faire par exemple des amplifications, des capteurs. Avec l'élément qui a plus, c'est un brin d'ADN. Les brins d'ADN, on sait les fabriquer. C'est commercial. Vous tapez ADCG, TT, machin, vous recevez votre truc par la poste. Je pourrais vous montrer. Les neurosciences. Ah, les neurosciences, c'est l'étude du cerveau, comment on pense. Collège de France, on a un professeur fantastique qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui a écrit un des plus beaux livres de sciences que je connaisse qui s'appelle Les neurones de la lecture. Et plus récemment, un livre peut-être encore plus beau qui s'appelle Le Code de la conscience, où ils étudient très finement qu'est-ce que ça veut dire que de prendre conscience de quelque chose. C'est un cas extraordinaire. Bon, mais c'est la même chose. Parce que si vous regardez là,
qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, les interfaces, c'est non-sens. L'information, eh ben, c'est le code neural, qu'on appelle les spikes, c'est les signaux électriques qui circulent dans les neurones. Les algorithmes, il y en a absolument partout, il y a des horloges dans le cerveau, des algorithmes partout. Des langages, bon, ça, je ne vais pas parler. La machine, c'est le cerveau. Et ce que ça fait, c'est très intéressant, ça nous permet de jouer de la guitare, d'être content ou pas content. Donc, c'est des algorithmes de première force. Alors là, il y en a très longtemps, hein, les gens qui disent qu'ils comprennent le cerveau. Pas les croire. Et c'est un sujet de recherche, mais on a encore des nouvelles pistes pour parler de tout ça. Parce qu'on sait que le cerveau, c'est essentiellement des algorithmes, hein, c'est pas de la matière. Alors, il y a de la matière. Mais ce qu'elle fait, c'est algorithmique. On connaît bien la vue, par exemple, on sait bien ce qui se passe quand on voit, qui est un grand mystère. Vous savez, vous voyez là, c'est pas vrai. Vous voyez la couleur sur les côtés. Ben, il n'y a pas de capteur de couleur sur le côté de vos yeux. Donc, tout ce que vous voyez, c'est une image complètement perdue. On pourra en parler si ça vous intéresse. Bon. Alors, voici par exemple un joli film sur ce qui se passe quand vous lisez une syllabe. Alors ça, c'est un film qui a été fait au MIT, mais c'est des gens, des bandes, ceux qui, voilà. Vous voyez, l'information va rentrer par les aires visuelles. Donc ça, c'est vraiment c'est la consommation d'énergie dans le cerveau, pour moi. Donc ça rentre en arrière par une aire visuelle. Ensuite, là, il va y avoir l'analyse des syllabes, la fabrication des mots. On se parle les mots, on parle dans nos têtes, on dit. Il y a des dictionnaires avec des espèces de petits Google par là, et puis là c'est le sens, alors là on ne comprend plus rien. Là on n'est pas prêt de comprendre. Donc vous voyez, ça c'est des moyens d'investigation, c'est des instruments qu'on n'est pas beaucoup. Alors, l'intelligence augmentée, on parle beaucoup de big data en ce moment, alors méfiez-vous. Hein. Le big data c'est difficile, c'est sérieux, mais c'est difficile. Les gens découvrent des corrélations partout et confondent corrélations et causalités. Alors, il y a un très joli article qui vous explique la différence, qui est un article faux, mais très bien écrit, qui vous démontre par une analyse de data que c'est vrai que ce sont les cigognes qui apportent les bébés. Hein, parce qu'il y a une corrélation tout à fait claire entre le nombre de cigognes et le taux de natalité dans les pays. Donc il faut se méfier des conclusions, c'est difficile. Ça, je vais laisser tomber, mais je vais vous montrer. Je vais finir en vous montrant, parce que vous ne savez pas, je pense, ce que c'est qu'un bug, j'ai réfléchi très très longtemps. Les bugs, ça, comme ça n'existe pas ailleurs, j'ai essayé de trouver un moyen qui marche pour tout le monde. Alors je crois que j'ai trouvé. Alors, le principe est le suivant. Là, vous avez l'homme, j'ai pris Kepler, hein, ce n'était pas un abruti. Donc l'homme, intuitif, même si c'est mon mathématicien, très intuitif, beaucoup d'idées. Une rigueur humaine, il fait ce qu'il peut. Même les mathématiciens, parce qu'ils peuvent, on sait faire des mathématiques sur machine, maintenant bien plus rigoureuse que celle des hommes. Qui est mathématique, lent, un homme c'est lent. Et là vous avez Mister Peinture, ou n'importe quoi, ou IBM, ou n'importe quoi, hyper rapide, hyper exact, jamais d'erreur, et totalement stupide. Ne fait que ce qu'on lui dit avec une conscience professionnelle absolue. Et l'informatique c'est d'aller de là à là, et on voit que le gouffre est immense, et que c'est facile de faire faux. Si on ne fait pas bien, eh bien on a des gros problèmes et on va déclencher plein de bugs. Ok. Allez, petit exercice. Alors, voilà le premier bug de l'histoire. Le mot bug existait avant déjà dans l'histoire européenne. C'est un papillon de nuit qui s'est passé dans la première femme informaticienne, Grace Hopper, qui a créé le premier langage de programmation qui s'appelait COBOL. Donc, les femmes étaient. Même Ada Lovelace, c'était la première femme informaticienne et la première ordinateur. Bon, voilà, vous êtes à Manhattan. Manhattan, tout le monde connaît. J'ai enlevé le Broadway parce que ça casse les pieds. Moi, j'habite là-haut et j'ai un copain qui habite là. Et il est à peu près aussi bête qu'un ordinateur. Il a pas envie d'être très intelligent. Il faut que je lui dicte comment venir chez moi. Et j'utilise un tout petit langage machine à trois lettres. Et je lui dis simplement que voilà, je suis itinéraire. T, c'est tout droit. D, c'est à droite. Et G, c'est à gauche. Parce qu'on ne peut pas aller tout droit à Manhattan parce qu'il y a des travaux, des sens interdits, etc. Bon, alors, si je le fais correctement, il arrive chez moi. Mais supposez, alors un programme informatique c'est la même chose, mais ça fait 1 million de caractères ou plus. 1 million de lignes de code, c'est rien. Dans votre téléphone, il y aura une petite centaine de millions de lignes de programme. Si vous les imprimez, ça tient pas dans ce bâtiment. Enfin, on ne les imprime pas, heureusement. Alors voilà, supposez qu'il y a une erreur quelconque. Moi, je me sois trompé en dictant, qu'il y a eu une friture sur la ligne, qu'il soit trompé, un seul caractère faux. Regardez, par exemple, T changé en D. Qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Notre ordinateur va suivre le nouveau chemin avec une conscience professionnelle absolue et donc il va aller n'importe où. Le chemin a juste tourné 90 degrés, c'est rien, c'est un petit détail.
petit détail, on va n'importe où. Si c'est ailleurs, un autre petit détail, on va dans un autre n'importe où. Il y a énormément de n'importe où. Donc, quelle est la bonne définition? Moi, c'est ce que je propose comme définition de l'ordinateur. L'ordinateur est le plus fabuleux amplificateur d'erreurs qu'on ait jamais fabriqué. Son boulot numéro un, c'est d'amplifier les erreurs. Et là, on comprend que programmer juste face à un amplificateur d'erreurs, la biologie a inventé des tonnes de systèmes pour réparer des erreurs. Dans l'ordinateur, il y a des gens qui disent il y a qu'un système qui répare les erreurs. Bon, on n'a jamais réussi, juste. Hein. Donc, on est obligé de travailler avec ces papiers fidèles et totalement fluides. Bien. Alors, quand on se met à plusieurs, comme dans les systèmes modernes, comme dans Internet, il y a d'autres types de bugs. Un qui s'appelle l'interblocage, on entend, ça se fait moins qu'avant, mais quand même, vous voyez votre ordinateur bloqué. Les voitures, ça doit arrêter. On entend, je touche, plus rien qui marche. Alors, c'est ça qui se passe. Vous avez deux machins, deux programmes à l'intérieur de l'ordinateur, voilà, comme lisez l'or, les conditions des mini, jumelles, et il y en a une qui a la règle, et l'autre qui a le crayon, et elles veulent tous les deux, et aucune des deux ne va lâcher le sien. Et rien ne bouge. Donc on voit bien votre ordinateur se congeler, c'est lisez l'or à l'intérieur qui font ça. Alors des fois c'est plus subtil, parce qu'il y a un double ordinateur qui marche et pas l'autre, hein, parce qu'il y a Manon qui vient d'arriver, lisez l'or, on finit par s'entendre. Hein, mais maintenant, elle est juste trop petite pour attraper le machin, elle ne le sera jamais, tandis qu'il se passe quelque chose, mais il y a des choses qui n'avancent plus. Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement dures à détecter dans les systèmes modernes qui existent. Les gens qui savent éviter ça sont très peu nombreux dans le monde, et les gens qui écrivent des programmes qui prétendent éviter ça sont hélas très nombreux. Ce sont des choses qui sont aux limites de l'intellect humain. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Ben, on fait des maths. On va faire des mathématiques qui vont nous permettre, et d'informatique, qui vont nous permettre de détecter des bugs ou de les éviter complètement. Je terminerai par un seul exemple, l'ascenseur. Quand vous faites un ascenseur, c'est un objet totalement informatique depuis longtemps. Mais il y a un truc que vous voudriez être sûr, c'est qu'il ne peut pas voyager la porte ouverte. La méthode classique, c'est de tester. Vous montez dans l'ascenseur, vous le faites marcher. Et vous revenez en disant, non, mais j'ai fait ça pendant un mois, il n'a jamais voyagé la porte ouverte. Ça ne vous dit rien sur le futur. Tester des programmes, comme c'est fait dans toute l'industrie, ça peut trouver des bugs, mais ça ne peut jamais vous dire qu'il y en a pas. Alors nous, on fait autrement. On va faire des démonstrations mathématiques, par exemple, l'ascenseur ne va jamais la porte ouverte. Et on va faire des démonstrations mathématiques de ça, et automatiques. On écrit, par exemple, dans le langage que je vais faire, on écrit le programme de l'ascenseur, et on écrit une formule très simple qui dit l'ascenseur va jamais la porte ouverte, on fait retour chariot une seconde après, et on a oui ou non. Et s'il y avait un bug, il a dit à quelqu'un. Alors on ne sait pas faire ça pour tout, hélas, mais on sait bien le faire dans certains domaines. Par contre, par exemple, que l'ascenseur embrasse ses passagers, ça c'est beaucoup plus dur à prouver. Pourtant, ça n'a pas l'air, mais l'informatique, c'est pas comme intuitif. Hein. Alors on peut même maintenant trouver de très grands théorèmes mathématiques qui ont. Un en particulier, le plus grand, c'est le théorème de Feit-Thompson, le théorème dont la preuve mathématique fait 250 pages, deux volumes de l'American Mathematical Review, et elle commence par, pour un lecteur entraîné dans le sujet, il faut un an pour lire les démonstrations. Maintenant, un très grand chercheur canadien, qui bosse en France et en Angleterre, cette preuve est entièrement en machine, il n'y a plus de mathématiciens pour la lire, et ça change beaucoup de choses en mathématiques. Je ne sais pas si Dylan en avait parlé, mais Dylan a fait un semestre spécial sur ce petit sujet, rien que chez lui. Voilà. Donc, en conclusion, j'espère vous avoir expliqué que, que l'informatique, c'est plus du tout un outil pour faire des calculs, plus du tout. C'est une façon de penser nouvelle, complémentaire des précédentes, mais différente. Et si on n'a pas, on n'a pas. Et ça, c'est un gros problème, parce que les gens qui sont naissants ont beaucoup de mal à l'attraper. Et donc, ils sont toujours surpris. J'avais commencé ma première leçon du jour en disant, ce qui m'étonne, c'est que les gens soient toujours surpris par les évolutions qui sont pourtant programmées. Hein. C'est-à-dire, on est surpris que nos données se retrouvent partout dans le monde. On est surpris. Mais, ça fait longtemps que les gens disent qu'ils vont faire ça. On n'a juste pas écouté ce qu'ils disaient. Faut pas exagérer, c'est pas surprenant qu'ils disaient qu'ils allaient le faire. Et on est toujours surpris. Pourquoi on est surpris? Parce qu'on n'a pas les schémas mentaux pour comprendre. Alors ce que j'ai essayé de contribuer ainsi, c'est de vous donner les schémas mentaux, pour au moins vous dire, là, il y a vraiment des schémas à comprendre, qui n'étaient pas là au XXe siècle, qui étaient différents. Enfin, qui n'étaient pas là, dans la population, qui étaient
nouvelle façon de penser de faire. Son expansion est très rapide parce que ce n'est pas une chose naturelle. Elle se marie parfaitement avec les autres. Elle se marie et les informaticiens qui deviennent arrogants en disant la biologie va être révolutionnée, elle va être révolutionnée certes, mais ça ne va plus être que de l'informatique, on est en train d'utiliser ça. Ou alors on va savoir faire de l'intelligence artificielle aussi bien que nous. Ça c'est de l'arrogance. Il y a des biologistes arrogants, il y a aussi des informaticiens arrogants, rassurez-vous. C'est vraiment plus sérieux, mais les problèmes de bugs et de sécurité qui sont très reliés, les trous de sécurité, c'est souvent des petits micro-bugs. Voilà. Et ce n'est pas reconnu par le public, ce n'est pas reconnu par les décideurs. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour l'introduction de l'informatique en France, mais j'avais essentiellement extrêmement peu d'interlocuteurs dans le système éducatif qui connaissaient le sujet, simplement. Hein? Donc c'est un gros problème. Et on se dit, là, il faut arrêter. Quoi. On est en 2015. L'informatique, elle devient le premier bassin d'emploi au monde, il ne faut pas oublier ça. Une petite société que je connais bien, Tarek Consultant Services en Inde, embauche à l'heure actuelle 60 000 ingénieurs par an. Hein? Et nous, on demande s'il faut y aller. Bon, ça va, à un moment, il faut ouvrir les yeux. Quoi. Donc on choisit encore de ne pas l'enseigner, il va quand même falloir bouger. Hein. Bon, le problème de l'enseignement est compliqué. Voilà, beaucoup de questions difficiles. La sécurité, la loi, la gestion du passé, la compatibilité avec ce qu'on faisait avant, c'est assez compliqué. Vous le voyez à Paris, sur les taxis et Uber. Et le passé a son mérite. Hein. Et tout bouleverser, c'est pas simple. Voilà, merci. La transmission de l'information et excusez-moi, moi je ne l'ai pas fait. Excellent exemple, je suis vraiment désolé. La transmission de l'information, et actuellement nous sommes confrontés avec la mise en place de la fibre optique. Oui. Dans combien de temps disparaîtra-t-elle et qu'est-ce qu'il y aura de nouveau à... La fibre optique, c'est quand même très, très très bien, parce que la fibre optique a des gros avantages. D'abord, ça va sous la mer. Ça ne craint pas la distance. Alors, les physiciens font des miracles avec la fibre optique. À l'heure actuelle, ils font la réparation tous les 1000 km. Des fibres, je crois qu'à l'heure actuelle, 150 km de fibres, c'est à la même transparence qu'une vitre de 4 mm chez nous. Donc, c'est sérieux. Et donc, la fibre optique a vraiment de gros avantages, c'est qu'elle passe énormément de débit. Elle est très simple à chercher. Et donc, il y en a beaucoup des fibres optiques dans le monde, et c'est très bien. Alors, l'installer dans les maisons, c'est beaucoup de trop. Le seul rival de la fibre optique, il y a deux rivaux. Il y a le câble téléphonique. Alors, le câble téléphonique, la DSL, c'est assez magique, parce que là, vous voyez la science au travail. Les gens ne réalisent pas. Avant, on avait le maximum qu'on pouvait faire passer sur un câble téléphonique, c'était 56 000 bits par seconde. Maintenant, le maximum qu'on peut passer, c'est 56 millions de bits par seconde. C'est le même câble. Donc on a mis un facteur 1000. C'est quoi? Des maths. C'est des maths. Et en particulier, le chercheur français Claude Berrou qui a inventé, par exemple, pour les turbocodes. On pensait qu'on ne pouvait pas atteindre les limites théoriques, et bien ici, on peut les atteindre. C'était une grande révolution. Donc c'est des maths. Et la fibre optique, c'est un mélange de physique et de maths. Donc c'est très bien la fibre optique. Ce qui se passe, c'est que il y a des choses qui ne fonctionnent pas, parce qu'on raconte des blagues, comme le Wi-Fi. On vous dit c'est très bien le Wi-Fi, ou le 4G c'est super. Mais, moi j'habite à la campagne, on me laisse tomber le 4G. Et le Wi-Fi, c'est notrepays.com qui me le donne, et bon, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Donc à la campagne, c'est moi, la bonne émission. Ça coûte assez cher de faire des trous. C'est pas la fibre qui coûte cher, c'est le trou. Alors on vient de faire des trous pour mettre les lignes en cuivre, et puis après on refait des trous pour mettre la fibre en cuivre. Et puis surtout l'alimentation, c'est fait de côté. À Paris, j'habite boulevard de Port-Royal, plein centre. Et bien, quand les gens allument leur télé, j'ai plus Internet. Bon, ça veut dire que du côté des opérateurs, il y a beaucoup de progrès à faire, parce que c'est pas la fibre qui ralentit. Donc c'est compliqué à mettre en place. Internet est un objet extraordinairement compliqué.
très très malin, qui marche qu'à cause des probabilités. C'est une des choses qui intéresse les biologistes, parce que ça, voilà, c'est un objet très grand qui se développe tout seul. Donc la fibre, c'est bien. Le Wi-Fi, c'est bien. Il y a des nouvelles technologies 5G qui sont des nouvelles maths, qui vont permettre d'aller 10 fois plus vite que ce qu'on a à l'heure actuelle. Même Wi-Fi, ça commence à être cher parce que ça commence à interférer. Vous rentrez dans un immeuble. Dans Paris, j'adorais parce qu'on s'asseyait sur un banc et on regardait un truc qui s'appelait Thomson, puis c'était un Wi-Fi n'importe où qui était ouvert. On connectait Internet par chez quelqu'un. Et maintenant, c'est terminé. Dans un immeuble, vous avez 60 Wi-Fi qui commencent à se battre sur les longueurs d'onde et ça commence à plus marcher. Et vous ne savez jamais ce qui se passe et des fois, ça ne marche plus parce qu'il y a un voisin qui interfère. Les ondes, ça interfère. La fibre optique, c'est pas mal. Les opérateurs sont. Ils ont un problème, c'est que les gens ne veulent plus rien payer. Alors, quand on veut faire des trucs géniaux, pas chers, il n'y a que les vrais de l'informatique qui font ça. Par exemple, les gens pensent qu'il y a beaucoup de choses gratuites en informatique, comme le moteur de recherche est gratuit. Vous connaissez, j'espère, la devise des gens qui fabriquent ça. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. C'est la devise officielle des gens. Si vous ne le savez pas, ça change un peu la vie. Quand c'est gratuit, c'est que vous payez ça cher. Comme la pub, quoi. Et Google est la plus grande. Les gens ne comprennent pas. Je leur demande aux gens pourquoi est-ce que Google et Facebook gagnent beaucoup d'argent, alors que tout est gratuit. C'est une question intéressante quand même. Mais je pense qu'il faut éduquer les gens là-dessus. Ben oui, l'informatique, ça a cette vertu, c'est très très léger. On peut faire des choses très très malignes qui ne se voient pas. Et nous, notre boulot, c'est de dire aux gens, regardez. Donc la fibre, c'est pas bête, on n'a pas encore beaucoup mieux, ça transforme les gigabits. Ça va changer. Oui, il y en a encore beaucoup de temps quand même, la fibre, c'est assez stable. Toutes les liaisons rapides dans le monde sont en fibre. Toutes. Mais la fibre, ça m'améliore. Je pense qu'on fait des fibres qui sont 100 fois plus rapides qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, échanger, ça va faire des trucs. Non, c'est pas trop super quand même. Mais bon, pour la vidéo, par exemple, Internet, ça ne marche pas pour le son. Gros problème. Moi, je suis amateur de musique, je suis sur des sites de streaming, mais ça ne marche pas. Internet ne connaît pas le temps. Et la musique, ça connaît le temps. Beaucoup de travaux là-dessus dans le monde, mais c'est pas facile. Oui. Alors, je trouve que vous avez vraiment très bien expliqué en fait la puissance de l'outil informatique et ce que ça dégage dans nos sociétés. Mais après, ça lève aussi la question du contrôle. Actuellement, comme vous avez dit, justement, les entreprises qui contrôlent l'informatique, c'est les multinationales. On a beaucoup de mal à les réguler. Il y a aussi tous les problèmes qui sont liés à la cybereconomie, à la cyberguerre, à l'espionnage industriel, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous, justement, pour amener un meilleur contrôle par rapport à tous ces phénomènes? Et quels sont les outils que les gens peuvent faire, les politiques peuvent faire pour ces problèmes? La première chose qu'il faut faire, c'est éduquer. Les gens sont toujours surpris. Moi, j'étais avec des députés et des sénateurs français qui brusquement découvrent la cybersécurité. Ça fait juste longtemps qu'on est passé. Hein. Il y a un sujet vraiment important, c'est la cybersécurité. Bon. La cybersécurité, c'est pas facile parce que c'est éminemment mathématique. La cryptographie, c'est des mathématiques aux limites de la science. Est-ce que vous savez que toute la cryptographie d'Internet repose non pas sur des certitudes, mais sur des conjectures mathématiques? Toute la sécurité d'Internet repose sur le fait que les mathématiciens pensent que certains calculs sont trop chers pour qu'on arrive à les faire. Mais ce n'est pas prouvé. D'accord? Bon, ça, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'il faut expliquer aux gens, parce que quand ils ne comprennent pas l'essence de l'objet, ils ne peuvent pas la donner, parce que la sécurité informatique n'est pas du tout la même chose que la sécurité physique. Mais on trouve les mêmes choses. Feynman, dans son merveilleux livre, Surely or Jogging Mr. Feynman, explique comment il a ouvert 50% des coffres-forts du projet Manhattan. D'accord? Et c'est toujours à cause d'erreurs humaines. Par exemple, déjà, il en ouvrait 30% en regardant sous le premier tiroir parce que le code était écrit dessous. C'est une bonne façon de rentrer. Vous avez un password qui est un mot du dictionnaire, ça prend un millième de seconde à rentrer dans votre compte. Hein. Donc ça, c'est votre problème après. Donc il y a ça, déjà, un peu d'éducation. Celle-là, on commence à la faire. Mais je discutais avec les députés et les sénateurs, et ils parlaient de la sécurité des réseaux. Je lui dis, mais il faut comprendre les sujets, il ne suffit pas d'en parler, il ne suffit pas de faire comme les journalistes, d'en parler. Il faut les comprendre. Et j'en dis, par exemple, il y a un problème. C'était aux élections françaises, pas aux élections, c'était avant,
c'était aux élections internes de l'UMP. J'ai failli avoir un accident de voiture parce que je conduisais sur une petite route de campagne, et puis j'entends le secrétaire général de l'UMP dire « Nous allons faire un vote électronique avec le système de vote électronique le plus sûr du monde. » Je me marrais tellement que j'ai failli par le contre. Parce que ça ne pas s'il disait, parce qu'on ne sait pas faire de système électronique, de vote électronique sûr. Ah, c'est évident ça. Hein. Alors je dis ça, je raconte ça aux députés, aux sénateurs qui me disent « Mais enfin quoi, le système de vote électronique c'est ça, mais j'ai vite compté les oui et les non. » Je leur dis « Vous êtes élus, vous pensez ça ?» Alors je vais vous dire, on ne sait pas ce que c'est qu'un vote à l'heure actuelle. On ne sait pas ce que c'est qu'un vote, un bon vote, c'est pas connu, c'est un sujet de recherche. Mais au moins, je veux être sûr que mon vote a été bien compté. Je veux être sûr qu'il n'y a pas de courage du monde. Je veux être sûr que vous n'avez pas pu vendre votre vote à quelqu'un. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Je vous dis, vous êtes élu, vous ne pensez pas à ça. Alors, vous êtes bien parti sur la cybersécurité. Hein. Voilà, c'est ça. Des gens qui ont été éduqués sur la loi Adopi. Moi, on était beaucoup battus en France avec la loi Adopi, parce qu'on disait, ils ont mis 4 ans à discuter, et pour nous, pendant ce moment-là, on disait, vous savez, votre loi Adopi sur le téléchargement illégal, quand vous l'aurez voté, le téléchargement aura disparu. Alors, un truc qui apparaît et qui disparaît en 4 ans, ça, avec la matière, ça n'existe pas, quoi. Alors, ils n'ont pas cru. Donc, ils ont fait l'organisation Adopi, qui a coûté des millions d'euros, et qui a mis une contravention à 150 euros, qui a été annulée. Alors, bien sûr, c'est fini, parce que les gamins, ils ne téléchargent plus. Pourquoi on téléchargerait ? Ils ne peuvent plus télécharger. Bon, alors voilà, donc le problème, c'est que si on s'obstine à ne pas comprendre les choses, eh bien on se fait toujours avoir par les gens qui les comprennent. Mais qui ne vont pas vous aider à les comprendre. Hein, ça, mais là, on ne peut pas compter sur Google ou Facebook pour vous aider à comprendre ce qu'ils sont en train de faire contre eux. Bon, donc il n'y a pas de Google, Facebook, ceux-là ne sont pas très dangereux. Par exemple, il y a des. Heureusement, il y a des chercheurs qui cherchent à casser les systèmes. Par exemple, les gens vont casser. Oui. Il y en a une très jolie qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais il y a longtemps que vous voulez. C'est deux Américains qui ont montré qu'on pouvait prendre le contrôle total, sauf un truc qu'ils sont pas arrivés à faire sur toutes les Jeep Cherokee qui sont aux États-Unis. Par Internet, de chez soi. Donc ils l'ont fait sur un copain à eux. Donc ils ont commencé par lui mettre la radio à fond. Puis évidemment, c'est des radios américaines, donc ils ne savaient plus quoi faire et tout. Après, ils avaient mis des essuie-glaces et clignotants, tout marchait et tout. Après, ils ont mis le moteur à fond, après ils ont plié un grand coup, et après ils ont fait sortir la route. Il y a un seul truc qu'ils ne savent pas faire, c'est prendre le contrôle du volant en marche avant. En marche arrière, ils savent, mais en marche avant, ils ne savent pas en faire. Pourquoi ? Parce que cette voiture, on rentre dans toutes les fonctions vitales par l'autoradio. Ça a été fait par des gens qui ont dit on va transformer notre voiture en smartphone. Bon, mais une voiture, c'est pas exactement un smartphone. Ça roule. Donc, eh bien, quand on atteint ce point de naïveté, il y a un bug majeur que je cite tout le temps, vous n'allez pas trouver, mais autant il y a un. Toyota, qui est une firme extraordinairement réputée dans l'industrie automobile, comme étant la plus meilleure de l'industrie, a des ennuis massifs, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont mortes aux États-Unis dans leur voiture, qui est partie à fond toute seule. C'est public, hein, je ne raconte pas des blagues. Partie à fond toute seule. Donc, comme d'habitude, les constructeurs de voitures, on est dans l'État, a dit oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est pas le même problème. Et elle a dit, mais c'est une action de pédale, doit appuyer sur l'accélérateur au lieu du frein. Sauf qu'il y a une classe action aux États-Unis et qu'un juge a dit à Toyota, on veut voir le code informatique, le programme du contrôle moteur. Toyota a dit secret industriel. Le juge a dit, bon d'accord, on vous interdit de vendre aux États-Unis. Toyota a dit, voilà le code. Donc, ah oui, ça, c'est extra en Europe. Hein. Encore. Donc, le code a été expertisé. Il y a un rapport d'expertise de 800 pages qui est remarquablement bien fait. Et la première page est ahurissante. Je peux vous la montrer si vous voulez. Première page dit, ce programme emploie toutes les méthodes connues pour qu'un programme ne marche pas. Et les emploie toutes. L'architecte, je donne quelques phrases. Il n'est pas testable, on ne peut pas le tester. Il vaut mieux ne pas le modifier parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aurait comme bug si on modifiait. L'ensemble de l'architecture de sécurité est un château de cartes. Et ce n'est pas un amateur qui a écrit ça. Et ça, c'est ce qu'on a dans nos voitures, pas partout. Moi, j'avais une Berlingot, c'est trop, je pensais que j'avais une 4L, surtout pas de voiture automatique. En plus, les GPS sont reconnus hein, pour le téléphone. Je rentre chez moi un soir, fatigué du boulot. J'avais la clé dans la main et j'entendais mon moteur tourner. Enfin, je me disais,
tiens, ça peut être que de l'informatique, ça peut être un mécanique, on ne va pas faire ça, le moteur qui tourne avec la clé dans la main, un diesel. Donc je me dis, si c'est de l'informatique, ben, je vais faire cloc-cloc, c'est probablement un capteur qui ne marche pas et le système qui est mal foutu. Et puis au bout d'un moment, ça s'arrête, le lendemain pareil. Je vais au garage, et les garages, on amène des voitures, maintenant, ils sont vraiment, vraiment consternés, vous avez remarqué. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent sur l'informatique? Au moins, lui, on regarde si on a, mais l'informatique. Bon. Le soir, ils reviennent tout contents, ils me disent, on a trouvé, ce qui empêchait votre moteur de s'arrêter, c'était le contacteur du faux stop sur la pédale de frein. Alors, on sait faire des architectures, on fait dans les fusées, dans les avions, des architectures solides. Que le contacteur de la pédale de frein empêche le moteur de s'arrêter, c'est une invention récente. D'accord. Eh bien, la vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, les constructeurs d'automobiles, ce qu'on appelle les OEM, comme ils le savent, ne savent pas c'est dans leur voiture. Ils ne savent pas. Et donc, ça, c'est un problème sérieux. On essaie de s'en occuper. Eux-mêmes commencent à comprendre qu'ils vont s'en occuper. Voilà, donc il faut éduquer. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je raconte ça à niveau zéro. Mais pour vous dire, dans vos têtes, il faut que vous changiez à jamais vos points de vue. Et c'est possible. Et c'est possible. Alors je fais beaucoup de conférences sur les bugs, que j'adore. Une fois j'en avais fait une au direct à Cordémine, il y avait une centaine de PDG, de gens très importants, le cabinet ministériel et tout, puis je me dis, allez, je vais me lâcher, je vais prendre un bug qu'ils n'ont jamais raconté, mais il est vrai, ils le connaissaient, parce qu'on avait l'INRIA à Paris, l'INRIA c'est l'Institut National de Recherche en Informatique Automatique, on avait à Paris et à Rennes. Et quand le TGV Paris-Rennes a été fait, pendant un an, au lieu d'avoir deux trains attachés comme tous les TGV, il y avait un train, puis après un autre train 5 minutes après. Il y avait deux numéros de train, c'est toujours vrai, mais deux conducteurs et deux horaires. Et c'est bizarre parce que sur Paris-Lyon, ils sont attachés, sur Paris-Rennes, ils devraient, mais ils ne sont pas. Qu'est-ce qui se passe? On dit, ça, c'est forcément un bug informatique. Avec la mécanique, on ne peut pas arriver à faire un bug comme ça. Et donc, on s'est renseigné et on a appris, alors c'était très compliqué pour avoir l'info, hein. On a appris qu'en fait, ils avaient mis un réseau local entre les trains. Donc, ils étaient la première fois qu'ils faisaient de l'informatique sur les TGV, quasiment, maintenant il y en a beaucoup. Ils avaient mis un réseau local, c'est ce qu'on appelle un réseau acheton, c'est-à-dire il y a un jeton qui décide, qui parle. Et parce que les réseaux acheton, c'était réputé plus simple, ce qui est complètement faux, parce que quand vous avez deux réseaux acheton et vous les connectez, ça fait deux jetons pour entre l'un et pas l'autre. Là, c'est le coup de l'Isénor qui arrive assez typiquement. Et donc, ils n'avaient jamais réussi à faire marcher leur réseau acheton. Donc, ils ne pouvaient pas fermer les portes des TGV s'ils les connectaient. C'est resté un an. Un an. Alors, ils ne se vendent pas. Hein. Donc, moi, j'ai dit ça, je m'attendais à une salve. Les gens me regardaient en disant, mais ils racontent n'importe quoi. Le directeur général de la SNCF a levé la main et elle a dit, je dois admettre qu'il a raison, et quand il dit que ça a coûté cher, il sous-estime. Donc c'est une œuvre de salubrité publique, parce que les gens ne le racontent pas. Il y a eu des appareils médicaux qui ont tué des gens, des appareils de radiologie, parce qu'il y avait des blocs complètement absurdes. Bon, ça se fait moins maintenant. Bon, on certifie les avions très sérieusement. Il n'y a aucune certification d'aucune sorte sur les voitures. Ah oui, parce que les voitures, c'est pas les mêmes coûts. L'informatique qui marche, c'est beaucoup plus dur à faire que l'informatique qui ne marche pas. Hein? Ah, mais bon, ça marche toujours un peu, mais l'informatique, vous voyez, c'est cette idée de l'amplificateur d'erreur. Bon, ben moi, mon contacteur de la pédale de frein qui provoque des problèmes de moteur, ça prouve que l'architecture interne est débile. On ne met pas les fonctions critiques et les fonctions non critiques sur le même bus. Mais... Par rapport au futur de l'informatique, ce que je comprends en lisant le journal, les journaux, hein, c'est pas les magazines spécialisés, c'est qu'il y a deux écoles essentiellement. Une qui dit ça va se développer de plus en plus et les ordinateurs, les robots vont devenir beaucoup plus puissants que le cerveau humain. Et après, il y a d'autres plus sceptiques qui disent, voilà, chaque technologie a trouvé son plafond. Les trains, les locomotives, les voitures, tout, ça se développe très rapidement. Après, ça trouve son plafond. Et le plafond de l'informatique, c'est les lois physiques ou les lois de la physique qui dictent que la limite de vitesse
de calcul va bientôt être atteinte. C'est, vous spéculez comment sur le futur de l'informatique? Alors, il y a un problème quand même, qui s'améliore tout doucement, c'est que les journalistes sont très remarquablement mal renseignés. Alors, sur la limite physique, c'est très intéressant parce que j'entends ça depuis extraordinairement longtemps. Il y a une loi qui a été donnée par Gordon Moore en 1963 et 1972 qui disait, à l'époque où le premier ordinateur a été fait, enfin le premier microprocesseur, 4000 transistors, et Gordon Moore avait supposé que, ou avait donné une espèce de prédiction que le nombre de... Alors, ce n'est pas la puissance de calcul des ordinateurs, ça c'est les journalistes. Il n'a jamais dit ça. Non. Il a dit le nombre de transistors par unité de surface allait doubler tous les 18 mois, 2 ans, ça dépend des versions. Cette loi a été vraie. Ce que ne comprennent pas les gens, c'est que ce n'est pas une loi après coup. Ce n'est pas quelque chose qu'on observe. C'est quelque chose qu'on décide. L'industrie a décidé de faire ça. Parce que l'industrie décide ça. C'est-à-dire que quand on fait une génération d'ordinateurs, de circuits, ça je connais bien, je travaille sur les circuits, on va fabriquer des usines. Mais les usines de circuits, peut-être si vous ne savez pas, c'est la plus lourde industrie du monde. Une usine de circuit moderne, c'est plus cher que Flamanville avec les dépassements de budget. La dernière usine de Samsung, c'est 14 milliards de dollars. Elle n'est pas plus chère. Bon. Une usine, c'est un truc monstrueux. Donc les industriels, bon, ce qui compte, c'est la taille du trait. Donc mettons, à une époque, on était à 1,2 micro. Les industriels décident, dans 3 ans ou dans 2 ans, on passe à 0,6 micro. Ou à, non, c'est racine de 2, je vais vous mettre, on passe à 0,9 micro. Après, ils décident. C'est une décision, cette loi. Ce n'est pas du tout une observation. Ça, les gens ne comprennent pas ça. C'est une décision. À l'heure actuelle, alors, on m'a toujours dit, de toute façon, on ne descendra pas en dessous d'un micro. Après, on m'a dit, de toute façon, on ne descendra pas en dessous de 100 nanomètres. Après, on m'a dit, de toute façon, on ne descendra pas en dessous de 40 nanomètres. Parce qu'on va être sur la limite de la physique. Bon. À l'heure actuelle, l'IBM est à 5 nanomètres. Ce n'est pas encore fini. Mais de toute façon, ça veut dire qu'on a à l'heure actuelle 10 milliards de transistors, pas de plus. On va arriver à 100 milliards, mais le problème n'est pas là. C'est qu'on ne sait pas quoi faire avec 100 milliards de transistors. Si la limite, c'est les têtes, avant la physique. Et parce que, par exemple, vous avez des choses très intéressantes dans les circuits. La densité de chaleur dans le circuit, maintenant, ce n'est pas la vitesse de calcul, le problème, c'est l'énergie. Comment on change, comment on bouffe la pile. La densité de chaleur, si on continuait au rythme précédent de vitesse des circuits, serait supérieure à celle du cœur d'une centrale nucléaire. Donc, si on fait calculer le chip qu'il faut, c'est une très bonne idée. Alors, on fait des tas de trucs compliqués, on va travailler là-dessus. Par exemple, dans vos téléphones, on vous dit que vous avez un quadruple processeur qui calcule à 1 GHz, ça veut dire 1 milliard d'opérations par seconde. Okay? En fait, ce qu'il fait, c'est essayer de dormir tout le temps, comme nous. Donc, dès qu'un processeur a calculé pendant 5 secondes, on arrête pour qu'il se refroidisse, on passe à un autre. Donc, argument marketing, et puis dès qu'on peut, on calcule à la dixième de la vitesse. Donc, la limite, la puissance de calcul n'est pas limitante. Combien il y a d'ordinateurs pour faire le moteur de recherche de Google? On ne sait pas, ce n'est pas public, mais on sait que c'est entre 1 et 3 millions. Donc, chaque circuit ne va pas forcément vite, mais quand on en a quelques millions. Là, j'ai montré sur Ariane 2,5 millions d'ordres de calcul. Ben, si on met 2,5 millions d'ordinateurs, ça ne fait pas des masses. Mais 2,5 millions d'ordinateurs, c'est rien du tout. Donc, ce qui se passe, c'est que les ordinateurs... vous savez, ça vaut le même prix, les vieux que les jeunes. C'est-à-dire, un 4004, c'est complètement plus cher qu'un Pentium. Donc, oui, ça va baisser. De toute façon, on ne sait plus... toute l'histoire qu'on est au-delà des limites de la physique, non, c'est pas tout à fait vrai. Et puis, il y a d'autres technos qui... On n'a même pas essayé d'autres méthodes. Il y a les chercheurs qui travaillent sur d'autres méthodes. Mais l'industrie des circuits a tellement fonctionné extraordinairement, c'est un cas unique. Donc ça fait juste 30 ans qu'on entend que maintenant elle va atteindre son plateau. Ben non. C'est juste pas vrai. Donc les comparaisons avec le reste du monde, bon là pourtant c'est de la matière. Les comparaisons qu'on a du monde ne marchent pas. Puis les ordinateurs, c'est pas que ça qui s'améliore, c'est leur architecture. Comment ils sont foutus, comment ils travaillent. Alors, ça c'est pas simple. Par exemple, avant, un ordinateur, vous aviez un processeur de calcul. Maintenant, dans un Pentium, vous en avez 8, 16, puis il y a déjà des machines qu'on a 1000. Alors, est-ce qu'on sait faire marcher une machine avec 1000 ordinateurs à l'intérieur? Ça, c'est pas encore clair. Puisqu'il limite, c'est la mémoire,
Vous savez, on pense que c'est la vitesse, donc vous voyez la vitesse de l'ordinateur. C'est pas du tout ça qui est limite. C'est que dès que vous allez sur la mémoire, vous ralentissez d'un facteur 100. Dès que vous allez sur le disque, vous ralentissez d'un facteur 10 000. Alors déjà, les disques, on les enlève pour remplacer par des flashs, les SSD, ça s'appelle, ça va beaucoup plus vite. C'est pas le processeur qui est limite, c'est la mémoire. Ça aussi, ça s'améliore, il y a de nouvelles technologies, donc on a encore le temps. Ce qui limite l'informatique, c'est ça. C'est ça. Puis des ordinateurs, ils s'en font beaucoup. Des téléphones, ils s'en font 1 milliard par an. C'est énorme. Alors ça pose d'autres problèmes de production, de récupération des métaux, parce que c'est un objet polluant, hein, pas de mystère. Hein. De consommation électrique, c'est 10% pour l'instant aux États-Unis de consommation électrique, c'est pas rien. Mais enfin, je veux dire, avant on travaillait sur la vitesse, maintenant on travaille sur l'énergie. Et c'est pas fini parce que ça fait, c'est compliqué. Faire des circuits, c'est un métier difficile, très extraordinaire, puis ça marche toujours. Ça fait vraiment longtemps que j'entends qu'on va se taper le mur. C'est des projections de gens qui pensent qu'un sujet est comme un autre. Et ça, c'est jamais vrai. Alors, l'intelligence artificielle et tout, alors là, c'est autre chose. C'est une vieille quête qui date des années 60. Les gens se sont dit, est-ce qu'on peut faire des machines qui pensent ou font des trucs que nous, on trouve intelligents? Et est-ce qu'on peut aussi comprendre qu'est-ce que c'est que notre intelligence? Alors on parle toujours du premier coup et du deuxième. Sur le deuxième, on n'a pas progressé. Le mot intelligence n'est pas défini et n'est pas simple. Mais quand on me dit que mon smartphone est smart, non. Mon smartphone, je l'éteins, il n'est pas plus smart qu'allumé, il n'est pas moins smart qu'allumé. Hein. Donc il fait des choses smart pour moi, mais lui, il n'est pas le plus smart. Alors, il y a quand même des choses qui se font. L'apprentissage. Par exemple, si on sait traduire les langues mieux qu'avant, c'est parce qu'on a arrêté d'essayer de comprendre ce que c'est une langue. C'est assez curieux. Mais si on réfléchit, c'est pas idiot, parce qu'un enfant, il sait parler avant de comprendre ce que c'est qu'une langue. Hein. Donc le principe, c'est d'essayer de faire un peu pareil. Donc c'est ça, on va parler d'un cas, par exemple, ou d'autre chose, reconnaître les visages, choses comme ça. Donc là, on commence à savoir faire ça. Les journalistes n'ont aucun problème à en déduire des tas de trucs qu'on va savoir. Alors, il y a des trucs frappants, et pas frappants en même temps. Il y a longtemps, les humains ont été battus par les ordinateurs aux échecs. Est-ce que les joueurs d'échecs ordinateurs sont intelligents? Pas du tout. Tout ce que ça dit, c'est que les humains ne sont pas bons aux échecs. Parce que les programmes sont assez brutaux à l'intérieur. Hein. Ils essayent d'être malins, mais ils n'ont pas besoin. Au gros, pas du tout. Hein. Bon, ben, ça veut dire que les échecs, c'est un... Ben, je donne un exemple tout bête. On dit l'ordinateur est intelligent, mais bon. Un homme qui joue bien aux échecs doit se rappeler d'un nombre gigantesque de positions qui ont été jouées dans l'histoire. Ah oui, ça c'est Fischer-Spaky à telle date, ça c'est Anand qui a joué comme ça à telle date. Pour un homme, c'est horriblement dur. Ça ne demande pas de l'intelligence, ça demande de la mémoire. Pour un ordinateur, c'est complètement évident. Savoir si une position a déjà été jouée, ça prend, je ne sais pas, un dixième de microseconde. C'est l'opération la plus simple qui soit. Ouais, c'est pas facile à expliquer pourquoi, mais enfin c'est très simple. C'est extraordinairement simple. Donc, est-ce que la machine est intelligente? Non. Nous pensons donc qu'elle est intelligente parce que nous pensions que jouer aux échecs demandait de l'intelligence, ce qui reste toujours vrai pour les humains, mais pas pour les machines. Alors, ça ne veut pas dire. Donc, la plupart des choses sur l'intelligence artificielle sont assez mythiques. Et les gens qui en font à l'heure actuelle, comme Yann Lequin ou d'autres, Michael Jordan, qui est un autre, c'est pas un basketteur, c'est un chercheur américain, qui est très fort, ils écrivent des papiers pour dire arrêtez de raconter des bêtises. Par exemple, l'apprentissage, il dit, ben voilà, comment ça marche, vous avez une machine avec 1 million de boutons, vous lui donnez 10 millions d'exemples, et puis vous essayez de tourner les boutons pour qu'il arrive à reconnaître les visages, et on arrive à trouver des méthodes pour tourner les boutons. Mais nous, on est quand même beaucoup mieux que ça. Hein. Donc, on raconte beaucoup de bêtises. J'ai même entendu des gens dire que les ordinateurs allaient se reproduire. Alors là, j'aurais dit, on va vous emmener dans une usine de circuit, vous allez voir que la biologie, c'est quand même très malin par rapport à ça. La reproduction sexuée, c'est pas fait chez eux. Non, il n'y a pas de réponse simple, et ça ne dit pas que... Bon, c'est louable de travailler sur les questions d'intelligence, mais les gens fantasment plus que l'on. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plein de choses qui vont se produire. Pour
une conférence extrêmement animée et excitante et extrêmement intéressante pour nous tous. Et je vous souhaite toutes et tous une bonne soirée. Merci.